Ok, bonjour à tous, c'est Oscur, on est de retour. Et là, on est parti pour une fête, un petit pillage dans les champs de bataille. Puisqu'on a enfin réussi à charger infuser le marteau après l'avoir déjà infusé. Il nous a fait perdre un petit peu de temps. Tac, tac. Mais du coup, ça c'est chiant, fuck. Voilà, j'ai eu 62, c'est bon. Là, j'ai eu 63, c'est... Ouais, ça, je peux l'enlever, du coup. Tac. J'ai pas mal de trucs, 61, ça m'enlève. 63, 63. Comme ça. Tac. Ah mais il y a 65. J'ai pas vu. Au revoir. Parfait. 61, 62. Ok. Tac. On enlève un petit peu tout, hein, vous savez. Hein. Donc, alors, on évolue un petit peu là, vite fait. J'ai juste en quelques secondes là, vite fait, des améliorations. Et en fait, on est parti sur autre chose. Maintenant, on joue avec Pass of Radiance, parce que c'est vachement bien quand même. Et bah, c'est trop bien en fait, basiquement. Déjà que, bon, le combo, rien que. Enfin, déjà, la source de chaleur, la source de radiance. Il pète les couilles hein, quand même. Ouais. Bref. Le super que je suis en train de prendre est déjà pété de ouf. Mais alors, en plus, mon dieu! En plus de ça. Le fait que Poupée Vaudou donne de l'énergie super, ça rend tout incroyable. Et ça, c'était sans compter du coup, en plus. Faut que je le montre vite fait. Le protocole du Phénix, qui fait que, basiquement, les frags d'assistance qu'on effectue en se tenant à l'intérieur de la source de radiance, ça nous redonne de l'énergie de super. Ce qui fait que du coup, à la fin, tu peux avoir genre les trois quarts de la source de radiance chargée après en avoir fait une. Et même au cas où si je me loupe, j'ai quand même l'assurance Poupée Vaudou qui fait que... Oh non, j'avais oublié. Il y a lui là, il est chiant. Tiens. Merci. Non, non, c'est pas les mêmes vaisseaux que d'habitude. Hein. Les vaisseaux dans les assauts, ceux-là, ils sont juste chiants. Mais là, lui, il est chiant et il peut te buter. Alors, tac, tac, tac. Vous regardez à quelle vitesse la barre de super se charge alors que j'ai même pas encore de catalyseur. C'est ça qui est incroyable. Alors je sais pas si vraiment, enfin, si c'est vraiment ce que je crois que c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai le catalyseur, on va pouvoir avoir des orbes en plus. Les orbes de puissance, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi et le Poupée Vaudou passera officiellement devant les deux autres fusils impulsion. Parce que merde quand même, on est où là? Alors. Alors, tac tac tac. Et du coup d'ailleurs ça m'a permis de me... Qu'est-ce qui vient de se passer? J'étais même pas dessus. Bon je me suis fait cabaler, mais j'étais même pas dessus. Alors j'en suis à combien d'ailleurs vite fait dans le... 54%, c'est pas mal. Merde on m'arrête. Tiens! 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 Paf! 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 Très bien. Alors. Je crois que j'ai pas vu Frénésie. J'ai perdu Frénésie, ma vie est nulle. Y a des gens derrière? Oui, y a des gens derrière, ça me semble en l'air. Ok. Parfait. Hop. Tiens. Alors, merde, putain, je tire sur des trucs qui n'existent pas. Ok, c'est bon. N'oubliez pas de tirer sur le milieu des boucliers pour les enlever, bien sûr. Ah, le retour du casse-couille. Ça va être chiant, ça. Alors, excusez-moi, on va essayer de se positionner bien. Hop, alors. Regardez la barre de super là. Alors, est-ce qu'il y a des gens là-bas? Ouais, il y a lui. Fuck. Elle est quasiment rechargée là. Elle est quasiment rechargée. Là, si j'avais le temps de balancer mon cercle, je m'aurais pas. Enfin, ma faille.
Je crevais pas, et en plus derrière, je faisais quelques frags, je chargeais le truc. Bon, il est un peu con parce que ça me paraît, mais tant qu'il s'arrive. Ah, 74 quand même. Niveau 74 quand même, ça fait très mal, hein, mais bon. Alors, on va se positionner à un magnifique endroit. Fuck, encore. Oh non, il est chiant. Voilà. C'est parfait. Alors. Ah. Elle s'est détruite. Non, me dites pas que. Il est con. J'ai une source de radiance et il est là, il fait bois, non. Je vais le mettre à côté. Ouais, du coup, bon. Un petit peu chiant. Ah, il faut y aller déjà. Ça y est. Tac. Et du coup, là, même si la source de radiance que j'ai faite est pas incroyable, eh ben, ça reste vachement bien parce que. Même dans le cas où ça se passe mal, on a la poupée voodoo pour recharger rapidement. Ça, c'est cool. Bref. Je pense avoir trouvé un truc incroyable, mais bon. J'étais un peu aiguillé aussi. Regardez-moi ce passereau incroyable. Regardez-moi cette traînée de feu qui prend genre. Allez. Un petit 20% de l'écran, 10% de l'écran. Ah, oh, c'est stylé quand même. Ouais, 10% de l'écran. Ah, cette puissance. Merde. Putain. Je vais regarder devant moi la prochaine fois. Ça, le problème des passereaux, c'est que quand c'est trop beau, bah tu. Quand ils sont trop beaux, tu regardes pas la route. Ouh là là. Alors, déjà, bonjour messieurs. Alors, tac tac. Fuck, qu'est-ce qu'il fout là lui? Bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avoue qu'on est loin quand même. Ok, d'accord. Pas par le milieu. Non. J'aime pas. Alors, prenons ces magnifiques armes lourdes. Besoin d'armes lourdes. Pour la suite. Ok. C'est fait. Viens là. Oh, je me mets un shield. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Viens là. Tac. Bon, je pourrais le sniper, mais... Finalement, descendre lentement sa barre de vie. Il me tout mettre un coup de grâce, c'est pas beau. Ok, j'ai réussi. Let's go, premier coup. Ah, je commence à prendre le coup de main. Alors, on va tenter ici. Je crois qu'ici c'est bien. Là, c'est clairement. Là, vous voyez que la source de radiance, on est vraiment pas dans le. Voilà. Là, c'est la source de radiance la plus égoïste que vous pourrez trouver sur le marché. Allez, viens là. Oh, t'es chiant. Voilà, merci. Voilà. Parfait. Il y a des gens encore. Oui. Oh putain, il est en 20. Et là, on est déjà. Voilà, on est quasiment au 3 quarts. Là. On est quasiment au 3 quarts. Ok. Pour récupérer les orbes des autres gens. C'est ça qui marche aussi. Récupérons les boules, les orbes. Encore des orbes. Meurs. Tiens. Ah, let's go, les orbes de puissance, les orbes. Il est coincé dans son cadavre. Il est même mort en plus. Alors, où est censé arriver le... Ah bah tiens. Je vais le positionner ici parce que flemme. Il y a d'avoir pas mal de gens qui vont arriver là. Voilà. Alors voilà. Ce qui est intéressant en plus, c'est que...
Je suis même pas obligé de faire les DPS parce que ça peut être mes potes qui sont dans la source qui le font. Et pendant ce temps, moi, je m'occupe de recharger la suivante, quoi. Putain, à deux doigts d'inventer les rôles, quoi. C'est bon. Oh, j'ai pas d'anti-bloqueur. Hey, connard, viens là. Je tape, moi. D'accord. Je vais ski. Paf! Alors, où est-ce qu'il est? Là-bas. Alors. Je vais me faire tuer. C'est bon. C'est... Je m'en suis rendu compte. Assez tôt, assez tard, mais. Oh, je le fais pas, non? Si. Si, ils sont là, bon. Allez, deuxième service. Oh, et puis merde. Voilà. Au moins, ça marchera comme ça. Putain, c'est pas ouf. Fuck. Les renseignements du corbeau indiquent que, bordel de merde, va falloir qu'on fasse un truc là. Dépressive voices, bah let's go. En fait, il faut que je me fasse one shot. Partant, j'ai pas eu le temps, fuck. C'est le moment de passe off radiancé. Pourquoi je mets passe off? Je sais pas si c'est passe ou... Oh let's go. Hop. On va esquiver les zones. Alors qu'est-ce qui se passe? Duel 1v1. Maintenant, on s'en casse. Ok. Ok. Parfait. Je suis super chargé. J'avais pas vu. C'est beau ça. Alors on n'a pas besoin parce que là, les mobs vont pas arriver. En tout cas pas énormément tant qu'on n'a pas... Voilà, changé de phase. Là maintenant ils vont arriver. Voilà. Alors on va essayer de se positionner genre là. Voilà. Oh putain, j'ai tiré sur mon épée. Fuck. Ah merci, ça ira. J'ai perdu suffisamment de temps sur toi. Mais t'es là toi, bonjour. Alors oui. Oui. Oui, oui. Hop, on utilise la source. La source. Pas la source du coup, là pour le coup c'est juste la faille. Histoire de rester à l'endroit, un endroit safe. Voilà. Oh putain. Ok. Ah. Merci beaucoup. Hop. Allez. Faut mourir, madame. Bon, j'ai pas le temps. Pas de chance. Ça met beaucoup trop de temps quand même à se détruire ces auras. Hein. Tac, 162, c'est la même à peu près. Où ils sont où les deux autres? Ah, ok. Bon, il y en a un, il se cache. Et l'autre, il est très loin. Bon, ça arrive. Tu peux venir là, s'il te plaît, mon bon. Merci. Ah. Bon. Regardez-moi cette vie! Regardez-moi cette vie, quoi! J'ai cru qu'elle était buggée ou non? Voilà, alors là, vous allez me dire, on est dans la merde. Mais non! Parce que là, je suis dans mon bar parfait sweet spot. C'est non parfait que je suis à moitié bloqué. Non, c'est bon. Voilà. Ah, ils arrivent. Ils arrivent, mais c'est un peu tard, je crois. Ouais, un peu tard. Ah, oh, j'ai pas le temps.
Alors. Chiant. Pas de quoi le. Voilà, parfait. Je savais qu'il y en avait un qui faisait ça. Et je me dis que bon, vu que l'autre il est en train d'AFK dans un bush. D'un buisson. T'accroupis dans les buissons. Ah, attendez. Ok, donc ça c'est fait. Là normalement on détruit leur shield, donc ils explosent. Voilà. Tiens. Il va retourner avec son shield. Oui. Bien. Mourir. Oula, vous offensez, madame. Non, c'est monsieur, j'ai rien dit. Un commandant. Alors, tu fais comment maintenant, hein? Je tchatche. Je broie la langue de Molière. Tiens. 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 Ah! Excusez-moi, j'attendais ma livraison Uber. Oh putain, ils sont beaucoup en fait. J'avais pas vu les shields. Alors, c'est pas lui que je cherche. C'est pas un mec avec un shield là? Quoi? Allô? Ok. Non, mais il doit avoir un shield immunisé, c'est pour ça. Il a un shield. J'avais pas vu la couleur. Elle était certes, elle était un petit peu enlevée. Et du coup, en fait, ça l'immunisait. C'était une couleur un peu différente, vous savez. Il est bientôt mort d'ailleurs, dis donc l'autre. Alors la question c'est, est-ce que du coup je peux foncer là et faire. Et je tombe! Ah voilà. Ah non, il est pas mort, chez moi. Voilà, maintenant là il est mort. Ah voilà. Je suis pris tout dans la gueule, hein, vraiment. Mais, source de radiance, je ne meurs pas. Prenez un peu ça comme un ulti de Zenyatta pour ceux qui n'ont pas vu Overwatch. Enfin, pour ceux qui ont joué Overwatch. Justement. Et paf! Ah voilà. Écoutez Osiris et Kayatel, ok. Magnifique. À vouloir une paix durable. J'aimerais seulement que les cabales soient assez intelligents pour le voir. Cela n'arrivera jamais. Les cabales tiennent à leur honneur. Ils préféreront mourir plutôt que se rendre. Et ça, c'est un peu con. C'est une chose que j'admire. Bonheur, excusez-moi. Entrez dans vos bonnes grâces. Je n'y survivrai sans doute pas. Alors, il va falloir que je les... Ouais, il faut que j'écoute au simu. Parfait. On va avoir des petites lignes de dialogue et puis voilà. Je crois que c'est terminé, non? Oh! Oh! On s'est bien amusé. Alors. 62, 64 du coup, tac tac. Exactement la même. Bah let's go. On va pouvoir enlever celle-là. Parfait. Et elle, bon, ouais, cette arme-là est pas incroyable non plus, mais voilà. Donc, allons écouter les lignes de dialogue. Tout bien? Je peux pas appuyer sur les. Vous ai-je fait attendre? J'étais occupé à gérer les singeries de vos commandants. Des singeries? Des traditions ancestrales. Elles ne vous concernent. Rassembler un conseil de guerre. Cela nous concerne tout particulièrement. Votre commandant pourrait en être un membre estimé s'il acceptait mon offre. Vous semblez sage. Nous savons tous deux que la meilleure victoire se remporte avant la guerre. J'offre une chance à l'humanité. Zavala peut en finir dès maintenant. Impératrice Cabale avec un penchant pour la clémence. C'est nouveau. Vous avez appris des erreurs passées, mais vous faites appel aux traditions quand vous craignez de perdre le contrôle. Je vois votre incertitude, votre hésitation. Pour autant que je sache, une impératrice sans empire n'est pas en mesure d'offrir quoi que ce soit. Les Cabales ont perdu leur foyer. Mais pas leur honneur. Si nous devons mourir,
Alors vous en paierez un lourd tribut. Dites à votre commandant que je commence à perdre patience. D'accord. Vos ordres restent inchangés. Honneur ou pas, sans conseil de guerre, pas de conflit. D'accord. Très bien. Au revoir, monsieur. Je pourrais... Non. Faut que j'aille voir un truc. Ah, nouvelle étape. Donc. Vite au conseil de guerre. Donc. Le conseil de guerre a un message du seigneur Saladin. Le seigneur Saladin note que l'avancée initiale de Kayatol dans le système a été stoppée par les contre-mesures de l'avant-garde et les agents de ces renseignements infiltrés. Il signale cependant que cela n'a pas empêché de nombreux commandants de la région rouge de faire voler les bannières de Kayatol et de lui faire des offrandes afin d'obtenir un siège dans son conseil de guerre. Il vous rappelle que Zavala a choisi une bataille d'endurance plutôt que de puissance afin d'éviter une guerre ouverte. Le seigneur Saladin nous offre un conseil, frappez-les encore et encore et continuez jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de se relever. Merci. Merci beaucoup. Je suis toujours à 5, c'est ça. Ouais, il me manque pas mal de trucs, mais voilà. Et c'est terminé. Donc nous avons terminé la quête de la semaine. Déjà, on a donc ceci. Nouveau niveau, 25 éclats légendaires, merci. Ça me fait super plaisir. Et donc, une amélioration supplémentaire du marteau. Alors, c'était... Alors, celle-là, elle est intéressante, je crois. Oui, celle-là, elle est intéressante. Et celle-là... On s'emmerde. Excusez-moi, mais on s'emmerde. 7 à 10, ça, putain, c'est long. D'accord. C'est un deuxième code de tribu. Ah, ok, d'accord. Prenez un nouveau, créez un nouveau médaillon de challenger qui vous offre une charge. Tiens, ok. Ça aussi, non. Un nombre de... encore. Il y a celle-là, il y a celle-là. Non, celle-là, je veux dire. Non, c'est une... Ah, c'est une rune, et ça, c'est un nouveau médaillon, ok, d'accord. Et ça, c'est un autre médaillon, ok. Je vais le prendre, je crois, hein, parce que bon, ça, c'est intéressant. Ça, ce serait pour plus tard. Là, j'aimerais bien le faire. Et pour les prochains, ce sera ces deux-là. Ok, très bien. Alors, vite fait, bien fait, on va juste regarder. Donc, on a terminé cette quête, parfait, intéressant. On est à 11 sur 21. Pour augmenter donc le tribut, il nous faut donc concentrer des engrammes. Bah let's go. Je crois que j'en ai pas mal d'ailleurs des engrammes. Hop. Alors, normalement on devrait avoir terminé. Est-ce que c'est le cas? J'en ai combien? J'en ai un. Ah non, c'est pas suffisant. Fuck. Toujours que deux charges de marteau, par contre c'est chiant ça. Bon bref. Une armure ou une arme? Une armure, allez. Alors, fuck, c'est là-bas. Le décodeur ombral. Parfait. Des bottes. Niveau 60, 51, toujours de la merde, mais bon. Ouais, c'est vraiment de la merde. Au revoir. Mais c'était pas mal quand même. On a eu des éclats légendaires. Les éclats légendaires, c'est toujours intéressant. Peu importe ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a un autre... Ah oui. C'est bon, c'est bon. Mais en fait, tout ça, ça vient du fait que Kayatol demande à ce que l'alliance soit de type on bosse pour elle. Alors que si elle proposait une collaboration équitable, je suis sûr que Zavala serait prêt à accepter quand même.
Merde, bref. Du coup, bon. On verra comment est-ce que ça va se terminer. Il nous reste pas mal de saisons. Il nous reste. Enfin, pas mal de saisons. Il nous reste surtout pas mal de semaines. Parce que, bon, déjà, au niveau de la saison, il nous reste 83 jours. Mais surtout, on est censé avoir 75 défis. Et là, on n'en a que 20 qui sont accessibles pour l'instant. Donc, oui, on n'est pas encore au bout de nos surprises, comme vous pouvez le voir. On va avoir 3e, 4e et 5e semaine, certainement. 6e et 7e, ouais, 7 semaines, basiquement. Avec certains qui seront un petit peu plus longs. Il y aura un petit peu plus de enfin, de défis, mais voilà. Très bien, intéressant. Bah écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter pour celle-là, parce que bon, bah, c'est la fin de la quête saisonnière. Hein. On va pas non plus tenter de faire des trucs, voilà. Que vous avez déjà eu, puisque je vous ai déjà montré tout ce qui était possible de voir. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut!